Coucou les garçons! Coucou maman! Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Ça va aujourd'hui? Oui! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui les garçons? On ouvre la case numéro 9! 9! Oui! 9 décembre! Dis donc, on s'approche vraiment de Noël? On est encore un petit peu loin quand même, mais oui, tout Noël doucement. Noël de Monsieur Jack! Le Noël de Monsieur Jack, toi tu dis? Oui. Bon, alors on commence par les calendriers d'Hugo? Oui. Oui. Hugo, mon petit amour. Tu préfères quoi, Hugo, comme calendrier? Peppa. Peppa. Alors, c'est Peppa. Parti par le calendrier Peppa Pig. Peppa. Regardez, Peppa. Comme ça. Hop. Et on cherche la case. On cherche la case numéro 9. 9. Alors, où est-ce qu'elle est, la 9? Là. Non. Non, Hugo. Là. Ça, c'est le... Non plus. Là. 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 Là, là oui. Alors, si tu peux l'ouvrir. Oh là là, oh là là, c'est tout cassé. Oh là là, il est détruit. Oh, oh tiens, Hugo, vas-y. Ouais, chouchou. Comment c'est possible d'avoir tout déchiré comme ça? Voir. Ah oui, là, ça aurait dû rester collé là. Mais bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Il a quoi, Hugo? Il a pas de beau, Hugo. Alors, ah, Hugo. Un petit cheval à bascule. Oh, trop mignon. Oh, sympa, ça. C'est donc un cheval à bascule. Oh, il est de ce côté, il est trop mignon. Oh, chouette, trop joli. Un petit cheval à bascule. Ok, super. Tiens, Hugo, c'est pour toi. Prochain calendrier. Pat Patrouille. Oui. Et voici le Pat Patrouille qui est là. Hop là. Case numéro 9. Elle est assez grande, la case, enfin. Elle est rouge. Le rouge. Tu vois une case rouge, Hugo? Il est là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un panneau. Alors, Hugo? Non. Oh là là! Sympa, ça. C'est un panneau. Un panneau. C'est un panneau qui indique le sud partout. Voilà. Ok, tiens, Hugo. Hop. Prochain calendrier. Alors Hugo, voici le calendrier des voitures de course. Alors, il faut chercher la case numéro 9. Oh, cette fois-ci sans tout déchirer. Ben dis donc, c'est bien. Parce que c'est bien, super. Hop. Tu peux lui me donner la voiture. Alors, est-ce qu'elle est belle, cette voiture? Oui. Tu me la donnes? Hugo, tu me la donnes? Elle est en dérapage. Alors, voici donc la voiture de course. Mais elle a pas de numéro? Non, celle-ci, elle n'a pas de numéro. Mais il y en avait deux, trois qui n'avaient pas de numéro. Hein. Ouais. Donc, voici. Tiens, t'es prêt, Hugo? Oui. Et wouh! On passe au prochain calendrier. Les miens, cette fois. Oui, les tiens. Alors, Raphaël, tiens, voici donc ton calendrier Playmobil. Alors, faut chercher la case numéro 9. 9. Parfait, t'es tombée tout de suite dessus. Là. Alors, petite case, grosse case. Comment est-ce qu'elle était, cette case? Non, mais doucement! Non, 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 tu vas tout casser. Alors. Ah bah bravo, maintenant elle est enfoncée. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est sérieux. C'est quoi? Un petit sac de béton. Un petit sac de béton? Bah oui. Ah oui. C'est un sac de béton. Ah bah voilà. Ok, bah t'as ça. Prochain calendrier. Et voici le calendrier Lego. Alors, hop, le calendrier Lego. La case numéro 9. 9. Alors, 9, 9. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, Lego. On va chercher le 9. 9. Alors, hop, qu'est-ce que c'est donc? Non mais, oh, oh. Oh, c'est un bonhomme. Non. Si, c'est un bonhomme. Il y en a deux. Hein? Il y en a deux. Ouais, mais là, dans la porte 9. Aïe, aïe, aïe. Dans la porte 9, on devrait avoir Hermione. Effectivement, il y a... Là, il y a... Là. C'est bon, il y a Hermione. Et toi, t'as qui? Mais comment c'est possible? Attendez. Là, il y a la case numéro 9. Et il n'y a pas d'autre. Peut-être que c'est la... Non. Ok, alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, Raphaël. Il y a deux figurines. Montre. Alors.
Il y a donc Hermione qui est sur la photo du calendrier. Et il y a... Eh ben, il y a une autre Hermione, non? Écoute, on va les monter les deux, puis on verra bien. Vas-y. Voilà les deux figurines qu'on a eues. Eh oui, alors il y en a eu deux. Alors, et on a eu donc cette deuxième figurine. Pour le coup, je ne sais pas qui c'est. Au départ, j'avais pensé à Hermione avec les cheveux comme ça qu'il y avait derrière. Mais la veste, enfin le machin, enfin ça ne me dit rien. Donc, je ne sais pas. Et est-ce qu'elle aurait pas un médaillon genre le retourneur de temps au cou? Donc ça pourrait être Hermione. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez. Oui. Voilà, je pense que c'est mieux qu'on fasse comme ça. Prochain calendrier, le Noël de Monsieur Jack. Eh oui, le Noël de Monsieur Jack. C'est parti, le beau calendrier, le magnifique. Wouh! Alors, le 9. 9. C'est une grosse case? Allez. Non. Ah non. C'est une petite case. C'est une petite case, Hugo, tu dis? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a eu... Le 10. On a eu des super la choses quand même. Elle sera hein. Énorme. Tu crois? Ouais. Regardez, regardez. Ah oui, c'est vrai que la 11, elle est énorme. Je pense que la 11, c'est peut-être un carnet ou un truc comme ça. On verra bien. Vas-y, 9. Allez, allez. C'est difficile. En même temps, ce calendrier, pour l'instant, il ne nous déçoit pas. Un bracelet? J'allais dire, il ne nous déçoit pas. En fait, il vient de me décevoir, mais... Mais Raphaël, ça le déçoit pas, donc ça va. C'est un bracelet de Jack, du coup. Ok, sympa. Moi, je vais le mettre. Oui, si tu veux. Allez, on récapitule de tout ce qu'on a eu. Eh oui. C'est parti. Et voilà tout ce qu'on a eu. On recommence. Hugo, il était pas prêt. Donc... Oh, non, mais pas trop quand même. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ultra sort. Et voilà tout ce qu'on a eu. Oh là là, Hugo. Je crois qu'on n'aura pas mieux. C'est pas grave. T'es prêt, Hugo? On recommence? Et voilà tout ce qu'on a eu. Vas-y. Et voilà tout ce qu'on a eu. Recommence. 1, 2, 3. Et voilà tout ce qu'on a eu. Oui, et voilà tout ce que vous avez eu. Alors, Raphaël, il y a eu un sac de béton. Il y a eu les deux figurines ici. Tu les remets debout, s'il te plaît, Raphaël. Donc, on sait pas ce que... Voilà, je pense que c'est Hermione et l'autre, aucune idée. Ah, mais je sais! J'ai trouvé! En fait, je crois que c'est celle du bar, là. Comment elle s'appelle? C'est celle qui sert aux boissons à l'hôtel ou au... Ah, je m'en souviens. J'ai plus le nom, mais dites-moi en commentaire si vous savez. Et puis, enfin, on a eu... Ce bracelet... Ça doit être dans le wagon. Non, c'est pas dans le wagon. C'est pas dans le wagon du train, c'est après au lard. C'est dans le... Là où ils boivent et quand ils sortent de l'école. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu un petit cheval à bascule, un panneau qui fait que d'indiquer le sud et une voiture bleue. Et voilà, super. Et maintenant, on se retrouve avec les... Lutins. Coucou les garçons. Coucou maman. Ça va aujourd'hui? Oui. Vous venez voir la bêtise des lutins? Oui. On est lundi 9 décembre. Allez, venez, descendez. Oh oh. Oui, oh oh. Oh non. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a plein de farine. Oui, il y a plein de farine partout. Alors, avec la toux d'Hugo, je crois que la farine, elle va partir encore ailleurs. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis donc, le Grinch, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, alors regardez, en fait, je crois qu'ils se sont bien amusés. Peut-être qu'ils ont voulu partir en vacances. Hein? Ouais. Ils ont amené les vacances ici. Regardez, ouais. Ils font des petits châteaux de sable. Bon, alors, il y a le Grinch qui fait un peu plus... Je crois qu'il est un peu embêté, hein. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fait, le Grinch? Il a enterré. Il a enterré son copain. Je ne sais pas si c'est son copain d'ailleurs, hein, parce que il a enterré son copain la tête dans la farine. Eh oui, vous avez vu?
Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Un ange. Oui. Ils ont fait l'ange. Oui, ils ont fait l'ange. Oui. Ça, c'est rigolo. Oui. Oui, Hugo, ça te plaît ça? Oui. Moi aussi, le faire ça. Toi aussi, tu veux faire ça? Oui. Bah vas-y, mets ta main dans la farine. Ah, et voilà. Et moi aussi. Vas-y. Je vais mettre là. Non, pas dans le tas. Non mais là Raphaël, c'est toi qui les fais les bêtises. Et les lutins, c'est les lutins qui font les bêtises, pas les petits garçons. Ah là là. Bravo. Oh ben non. Alors là, je sais plus qui c'est qui fait les bêtises, mais là je crois que c'est Raphaël. Et Raphaël, t'as l'école tout à l'heure. Tu vas être tout sale. Non. Et ben voilà, ben maintenant tu fais comment? Ah ouais, ben bien sûr. Voilà, on en est bien partout. Merci. Non. Non. Ouais, alors là, non. Mais alors là, c'est une catastrophe. Bon, alors les garçons. Non. Bon, ça y est, il y en a partout. Là, c'est vraiment la catastrophe. J'en ai, mais partout. C'était la bêtise des lutins. Pas de Raphaël et Hugo. Ouais, bah bravo, donc c'est vous qui faites des bêtises. Et t'as vu ton pull? Tu vas faire comment? Tu vas dire quoi à la maîtresse? Ça va partir. Ça va partir, ouais, bah je sais pas, sur l'instant ça part pas, hein. Oh là là, Raphaël. Bon, on va peut-être ranger les lutins, puis d'ailleurs eux aussi, hein, je crois qu'ils sont tout sales. Parce qu'il y en a qui ont fait l'ange, il y en a qui a la tête pleine de farine. En fait, vous êtes tous dans un piteux état, là. Bah bravo. Ah, faut tout laver là, je crois, Hugo, hein. Oui, ouais, t'as bien raison, toi. Oui, ouais, Hugo, la voix de la sagesse. Bon, allez, on va ranger ces lutins, hein. Oui. Maman, t'es tout sale, maman. Ouais, maintenant ils sont tous sales, les lutins. Pas bravo, hein. Oui. Franchement. Il faut laver les mains. Oui, je crois qu'il faut tout laver, il faut prendre une douche, hein. Oui. Une douche. Ah, bah oui, bah, ils sont tous sales. Hein. Le Grinch, il faut pas enterrer les gens vivants. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ah, ouais, ça c'est sûr, c'est un peu mal poli. Oui. Et puis toi, Raphaël, du coup, parce que maman aussi, elle pourrait te dire quelque chose. T'as vu ton état? Oui. Raphaël, on ne joue pas avec la farine. Oui. Allez, rangez les lutins. Aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui fait les plus grosses bêtises. Est-ce que c'est les lutins ou c'est vous? Moi, je dirais nous. Tout le monde? Ouais. Alors... Maman aussi, elle va vous dire quelque chose. Hein. Allez, les garçons, on va dire au revoir à tout le monde. Oui, levez les pouces bleus et abonnez-vous pour nous faire plaisir. Au revoir tout le monde, plein de bisous. Au revoir tout le monde, plein de bisous.